J'espère que vous allez bien. Donc, on voit, voilà, il y a Caramel là. Voilà. Donc, on va faire une petite carte ensemble. Alors, je vais faire un peu d'aquarelle. Oui, aïe, 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 aïe. On va voir ce que ça donne, hein. C'est pas triste, hein. Allez, je vous descends. Alors, j'ai déjà préparé ce que je vais utiliser. Alors, j'ai fait hier un fond avec mes encres à alcool et j'ai utilisé ma pompe à air. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. J'ai fait une découpe avec le Daz, avec les petits ronds de chez Action, dans du papier blanc à dessin aussi que j'avais acheté chez Action. Comme ça. Voilà. À l'endroit, serait mieux. Oui, voilà. J'ai fait du coup avec le reste de mon fond encre alcool, avec le dernier Daz que Hélène a eu la gentillesse de m'envoyer. Voilà. J'ai fait un tamponnage d'une petite pépette comme ça que j'ai eue à Noël par ma fille. Et oui, j'ai découpé une bande de jean. Voilà. Donc, allez, on va commencer. On va peut-être commencer un peu par l'aquarelle, hein, parce que, alors là, on n'est pas dans le caca avec moi. J'ai mon pistolet à colle chaude qui chauffe. Il a perdu une goutte, c'est normal. Donc, j'ai sélectionné des aquamarqueurs, comme ça, que j'ai eu par Lunasia, qui me les avait envoyés lors d'un concours. Voilà. Donc, on va commencer par le jean. Alors là, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Hein. Je suis désolée. Oups, en plus, ça couine, ça. C'est énervant. Voilà, on va essayer. Hein, parce que là, donc, j'ai pris un stylo, un pinceau à réservoir d'eau. Alors oui, j'en ai acheté là chez Action, qui était vendu par 3, là. Mais comme ça. Mais à chaque fois, voilà, vous voyez un peu... Ça, comment, elle se sépare en deux. Et donc, ça fait, bah ça fait ce que ça ne faut pas faire. Voilà. Ah, voilà. Donc, on va essayer ça. On va voir ce que ça donne. On met un peu d'eau. Alors, on m'a dit de faire plus foncé sur les côtés. Et après, éclaircir vers l'intérieur. Donc, je vais essayer de faire ça. Je garantis rien. Parce que je m'y connais pas vraiment. Hein. Vraiment, l'aquarelle, c'est pas mon truc. Hein. J'en fais pas souvent. C'est bête parce que voilà. Donc, je vais essayer d'éclaircir. Voilà. On va essayer comme ça. Alors, je vais faire son jean un peu en bleu. Bah, bleu clair. Hein. Tout simplement. On va faire une trace d'un bleu un peu plus foncé sur les extrémités. Voilà. C'est pas toujours simple quand on s'y connaît pas. Hein. Mais bon, je fais ça avec vous, hein. Ah oui. Histoire de faire quelque chose de nouveau. Vrai, on colorie pas ensemble. Ben non. Parce que c'est pas mon truc, c'est pour ça. Mais bon, je pense que je suis pas si bête quand même. Je vais y arriver. Vous en pensez, vous? Vous ne pouvez pas me répondre. Vous me direz en commentaire. Alors voilà. Ça me donne ça. Comme ça. C'est plutôt pas mal, je dis. Pour le pantalon. Ensuite, elle a un maillot et une veste. Alors, comment je vais faire? J'ai envie de la faire en couleur vraiment, hein, parce que, voilà, c'est... On va lui faire une veste, allez, vert clair comme ça. C'est le numéro 165 et le pantalon, j'ai pris le numéro 66. Après, c'est pas des aquamarqueurs qui datent d'aujourd'hui. Hein. Et bien d'accord, hein, celui-là, il remonte d'un concours
Il y a un moment déjà. Finalement, le temps passe. Hein. Ouh, il passe, le temps, il passe. Alors, hop. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a retrouvé le soleil. C'est pas mal, hein, déjà. Ah oui. Parce qu'il était parti. Il s'était fait la malle. Il s'était fait la malle. Voilà. Je crois bien que c'est même la première fois que j'utilise mes aquamarqueurs. Pour vous dire que... Voilà. Hein, c'est... Alors, maintenant, on va mettre un petit peu d'eau pour éclaircir. Pas évident parce que c'est vraiment une petite surface. Il faut vraiment bien gérer, hein. Après, c'est ma copinette, là. Et ma Béa qui m'a dit de faire comme ça. Donc, je fais comme ça. Ah oui, quand on ne connaît pas, hein, on demande conseil. Bizarre que ça couine comme ça quand on met sur du verre. Hein. Marc, sur du... Sur une semelle... comment? Pour tamponner, ça couine aussi. Ça couine. Hop. Ah, bah oui. Oui, aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà, pour la petite veste. Pas mal. C'est pas mal. Donc, ça nous donne ceci. Voilà. Hop. On nettoie. Bien, son pinceau. Ensuite, je vais lui faire un maillot rose clair. Oui, le rose clair, le foulard ou rose foncé, le maillot. Non, je vais faire rose clair. Alors là, on ne voit pas beaucoup hein, sur la plaque. Ça ne va pas être, ça va pas être triste, cette histoire. Ça ne va pas être triste. Hop. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Vraiment, c'est... On ne voit rien, je vois rien. Mon Dieu. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre la petite... pour mettre un peu plus sur les côtés. Parce que celui-là, il est vraiment, vraiment clair. Ce papier-là, franchement, ça va. Pour aquareller, ça va. C'est pas vilain. Enfin, je veux dire... Ça ne bouloche pas, ça va. Alors, je vais faire maintenant le foulard. Voilà, c'est du rose pétant. Et c'est le 127. Et le rose clair, c'était le 196. Voilà. Alors, on va faire le foulard. Alors, je vais faire le foncé au début. Voilà, histoire de donner un petit peu de punch. Vous entendez des bruits à côté, vous inquiétez pas. C'est ma fille qui scrapette. Qui scrapette. Eh oui. Alors maintenant, on va mettre un peu d'eau. Elle est en train de me regarder, elle doit se dire, c'est quoi ça? Colorique avec des crayons de couleur. Hop. Plutôt pas mal ce petit reflet là de plus foncé comme ça. Ah oui, c'est plutôt bien, je dis. Vous voyez, on voit un peu sur le côté hein, ce que ça fait. Par contre, j'ai pas pris. Je vais regarder dans ma boîte. Hein, évidemment, c'est le bazar dessus. En plus, il n'y a pas de place à côté. On va regarder si j'ai un peu de... Alors, j'ai un peu de marron. Mais
faudrait une couleur claire. Ça, ça fait partie des rouges, je pense. Je ne sais pas si j'en ai, hein, c'est ça. On va prendre celui-là pour faire le cou, un peu le visage. Alors, attendez, c'est le 222. Je regarde ce que ça donne. Voilà. Après, là, ça me paraît un peu foncé, mais bon. En le mettant sur un bout de papier, on va essayer. Hop, j'ai un petit bout de papier à côté de moi. Oui, ça fait vraiment foncé. Hein. Il va vraiment falloir mettre de l'eau. Ouais, voilà. Si on dissout bien, ça va. Ça ne sera pas trop, trop foncé pour faire le cou. Et un peu faire le visage aussi. Bah, allez, faire le visage à cette jeune fille. Hop. Voilà. Vraiment bien, 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 bien dilué par contre. Après, moi, j'ai pas d'aquamarqueur, voilà, effet peau, tout ça. Moi, j'ai ceux qu'on m'a donné, parce que j'en achète pas. Voilà. Parce que j'ai déjà aussi des crayons de couleur aquamarqueur, mais je trouve que j'y arrive moins bien. Par contre, je vais reprendre un peu plus. Ah, le truc qui se bat. Je vais reprendre un petit peu plus foncé. Pas celui-là, je crois. Non, c'est pas celui-là. Le 222 pour faire la ceinture. Soit un peu plus foncé. Hein, qu'on la voit bien quand même. Voilà. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je vais la faire en... Excusez-moi, c'est ma boîte de feutre. Je voudrais la faire blonde. Oui, je voudrais la faire blonde. On va voir ce que ça donne. Par contre, il va bien falloir que je nettoie mon pinceau hein, pour pas avoir de mélange de couleurs. Oh, aïe, 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 aïe. Là, ça m'embêterait. Hein. Ça m'embêterait. Hop, on va voir ce que ça donne. Hop. L'aquarelle, c'est bien, hein. Ça sèche rapidement. Hein. Vraiment. Hein. Hop. Un petit peu plus. On va essayer de mettre un peu plus foncé autour. Mais bon, le jaune, c'est quand même pas évident, évident. Mais bon, voilà. Eh ben, je suis plutôt contente. Ouais, pour la première fois que j'utilise mes aquas. Franchement, je suis plutôt contente. Donc voilà ma petite, mon petit tamponnage. Comment ? Pas colorié, hein. Bon là, j'ai pas pu retirer le machin blanc là, parce qu'après, bah, ça va tout me couper, je pense. Donc je vais le laisser comme ça. Donc maintenant, on va s'attaquer à la petite carte. Alors, par contre, il faudrait que j'encre. Alors, quelle couleur je vais prendre? J'ai envie de prendre du... Parce qu'on a toutes les couleurs. Hein. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Peut-être prendre un peu de vert ou de rose. Je ne sais pas. On va regarder ça. Alors... On va prendre les couleurs, je crois que c'était les couleurs fluo, je crois, ceux-là. Alors, je vais regarder comment ça fait sur un bout de papier. Ah oui, c'est joli. Allez, je vais l'ancrer en vert. Alors, avec le numéro 48, c'est les couleurs... Bah, fluo, c'est la dernière collection hein, qu'on a eue. Hein. Ah non, 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 je dis des bêtises. C'est la deuxième, ça. Puisque la première commence au 48. Parce que je suis bête. Comme une margoulette, plus bête qu'une paire de chaussettes. Faut pas trop chanter. Parce que sinon, droit d'auteur, droit d'auteur. Attention maintenant, hein, avec la musique, si vous mettez de la musique et tout, il paraît que... voilà.
Plein de choses ont changé. De toute façon, comme partout, il y a tout qui change. Par contre, le papier là, il est vraiment, vraiment, il est bien, mais il est mou. Hein. Ouh, il est mou. Il est mou, il est mou. Voilà, je vais ancrer un petit peu. On va peut-être en mettre un peu plus là. Voilà. Hop. Bon, je ne sais pas si vous le verrez, mais oui, si ça se voit. Voilà, donc on va venir coller ça sur la carte. Hop, je vais le coller autour, seulement autour. Hein. Je ne m'amuse pas à en mettre entre les trous. Hein. C'est mort. Hein. C'est mort, c'est mort. Alors j'ai pris la peur pause. Hein. Chez Action. J'aime bien cette colle. Bon, c'est vrai qu'elle a une certaine odeur, mais bon. Une fois qu'on y est habitué, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Alors, je vais essayer de mettre un petit peu. Là, si je mets les doigts dans la colle, là, ça va pas aller. Je vais en mettre un petit peu comme ça, à droite et à gauche, entre les trous. Ça colle un petit peu quand même. Hein. Hop. Par contre, je fais pas tout. Non, 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 non. Voilà. Dimanche, rattaque. Je fais un vide-grenier. Eh oui, bah oui, hein. Il faut. Il faut, il faut. Hop. On va mettre bien droite. Voilà. Oh, excusez-moi, mais c'est tout, là. C'est pas possible, hein. Vraiment, hein. Donc, maintenant, je vais prendre ma petite bande de jean. Eh oui, du jean. Alors, je vais le coller sur les côtés. Bon, bien sûr, je viendrai mettre pour le coller. Je vais le coller à la colle chaude. C'est comme ça, voilà, ça va bien sécher vite. Hein, parce que, avec c'est la colle chaude, moi, j'aime bien. Alors, c'est pas droit, droit, hein. C'est, voilà, hein. C'est une récup de jean, hein, à mes filles. Qui date, qui date, qui date, qui date, qui date. Alors, je vais mettre un point de colle chaude ici. Pas en mettre de trop non plus, parce que... Hop, pas beaucoup, hein. Pour pas que ça fasse deux pâtés. Voilà, on appuie. Ensuite, un petit point de l'autre côté. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, ça va nous donner ceci pour l'instant. Je vais couper le bout qui dépasse. Voilà. Ensuite, l'autre bout. Ah ben, il coupe beaucoup mieux, hein. Si vous vous rappelez, à la dernière vidéo, pour le ruban, quand j'ai fait la tête, la croche-tête, il ne coupait plus. Ben oui, je l'ai nettoyé, hein, parce qu'il y avait plein de colle. Il y avait plein de colle. Voilà. Hop. Donc maintenant, je vais venir mettre... mon médaillon de ceinture, non, ma boucle, parce que c'est une boucle, ah oui, si je peux récupérer ma colle, ben non, je vais peut-être mettre, non, finalement non, je crois que je vais mettre un peu de colle chaude plutôt, parce que sinon, j'ai peur que sur le jean, ça prenne beaucoup plus de temps, hop, pas seulement... à la colle chaude, la partie qui va être sur la boucle. Non, sur le jean, n'importe quoi. Ça, c'est la boucle. Voilà. Comme ça. Ça tient très bien. Et maintenant, je vais venir mettre coller ma petite poupette au milieu. Voilà. Hop. Alors, je vais prendre cette fois-ci de la colle.
comme le papier est pas trop trop épais, et puis bon, pas trop, je colle pas trop le papier à la colle chaude non plus, hein. Non, ça va lui faire des bourrelets, la pauvre. Voilà, des bourrelets. Alors, à peu près au milieu, comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est génial. Voilà, regardez. C'est chouette, hein? Voilà. Alors, j'ai oublié, évidemment, comme d'habitude, je vais chercher mon sentiment. Je reviens tout de suite. Donc, me revoilà. Donc, j'ai été chercher... la planche comme ça des derniers tampons de chez Action. Et j'ai pris celui-là qui fait une bulle comme ça. Oui, oui, bah, j'ai changé d'avis entre temps. Hein. Bah oui, mais ça. C'est à bout, c'est à bout. On va en faire un petit hop. Un petit tamponnage. Hop. On va voir ce que ça donne. J'avais une chute, hein. Hop, voilà, très bien. Ensuite, je vais le découper. J'ai oublié un ciseau. Même ceux-là, je les ai retapés. Je les ai nettoyés. Et hop, ils recoupent comme s'ils étaient tout neufs. Je vais découper ça. Hop. Hop. Bon, je finis de les couper et je vous reprends. Alors, j'ai oublié de lui faire ses yeux. J'ai été chercher mes crayons chalk qu'on a eu chez Action. Hein, un petit moment. J'ai oublié de lui faire ses yeux. Franchement. Ah, pas ça. Voilà. Beaux yeux bleus. Donc voilà, j'ai découpé mon tamponnage bulle. Ceci, et dessus je vais écrire tout simplement hello. Hop, alors j'aurais pu faire un tamponnage, mais bon, aujourd'hui j'avais envie d'écrire. Bon, il a quoi lui? C'est bizarre ça. Puis fonctionner, mais ils sont tout neufs. Ah, des fois ça arrive. Hein. Se passe-t-il? Que se passe-t-il? Oh, ça va revenir, mais... C'est peut-être sur le papier que ça va pas. Alors... Ah! Voilà, c'est bon. N'hésitez pas, si vous croyez qu'il marche plus, il faut les faire rouler un peu, enfin, les faire fonctionner un peu. Parce que, comme on ne s'en sert pas tout le temps, ça a tendance à sécher un peu au niveau de la pointe. Mais bon. Hop. Et voilà. Donc j'ai fait... Attends, je vais réépaissir celui-là du coup, parce que j'ai un petit peu insisté. Hein, que ce soit les deux pareils. Voilà. Hop, donc ça nous fait ceci, que je vais venir coller aussi à la colle chaude, comme ça, hop, c'est fait, voilà, près de sa bouche, pas sur le visage non plus, hein, mais de manière à ce qu'on voit qu'elle parle, voilà, ça nous donne ceci. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Après, je voulais mettre un petit peu de paillettes à droite, à gauche. Je vais prendre mes drops. Bon, c'est pas les nouvelles, je les ai pas trouvées. Et puis, bon. Je pense pas que je vais les acheter. Hein. J'ai déjà ceux-là à utiliser. Hop. J'ai pris un pinceau quelconque. Hop. Un petit peu de paillettes. Comme ça. Voilà. Pas trop. Hop. Ça. Voilà. Ça nous fait des comme des petites taches, on va dire ça comme ça.
N'est-ce pas? Ah bah écoutez, quand on a, hein, quand on sort de là, on sort. On sort de sa zone de confort, on sort de sa zone de confort. Voilà. Hop. Et voilà, ma petite carte est... J'ai un bout de pistolet à colle, un fil. Ma petite carte est terminée. Donc je vais vous remonter. J'éteins mon pistolet à colle. Voilà. Hop, je vous remonte. Je vous remontre. Donc voilà, ma petite carte. Voilà, j'aime beaucoup. Je suis fière de ma petite carte. Ah oui, je fais pas beaucoup de cartes, alors quand j'en fais, bah, ça me plaît bien, des fois, souvent. Des fois, pas. Voilà. Donc, je suis contente. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup pour tous vos gentils commentaires. Je vous adore. C'est vous qui me permettez de faire vivre ma chaîne. Donc, n'hésitez pas surtout à liker, c'est important. Moi, quand je vais sur une vidéo, avant de la regarder, je mets direct le pouce. Parce que bah, ça fait monter au niveau des vues, enfin des vues, de la position sur YouTube. Donc, un petit pouce, ça coûte rien. Un commentaire, parce que j'adore vous lire. Un abonnement, si vous le désirez, il n'y a pas de problème. Vous êtes tous les bienvenus. Et puis, je vais vous laisser là. Voilà, je vous fais faire des gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!